Après la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Neymar fait l'objet de nombreuses rumeurs de départ. Pourtant, le numéro 10 du PSG a toujours révélé son désir de poursuivre l'aventure avec le club de la capitale française. Mais les dernières sorties de Nasser Al-Khelaïfi l'ont publiquement visé, bien que le dirigeant qatari n'a pas cité son nom. De ce fait, Neymar envisagerait un départ. Dans une interview avec plusieurs médias brésiliens, Thiago Silva a publiquement déclaré son envie de voir son compatriote au cœur d'un feuilleton au Paris Saint-Germain le rejoindre à Chelsea. Il doit venir à Chelsea actuellement. Si cela devrait se faire, ce serait la meilleure chose possible pour nous. Neymar est un joueur qui n'a pas besoin d'être présenté de par ses qualités techniques et ses performances qu'il a pu accomplir. Et c'est quelque chose que j'attends si ça devrait se faire. Et de conclure, c'est un ami et un joueur avec de très grandes qualités, donc forcément je préfère qu'il soit avec nous. J'espère que cela pourra se faire, mais à l'heure actuelle je ne suis au courant de rien. Une telle opération ne sera pas facile à finaliser, les prétendants ne comptant sur les doigts d'une main eu égard au coût du transfert et aux exigences salariales du joueur. Mais l'évolution de la position de Neymar est un premier pas vers une issue encore inimaginable. Il y a de cela quelques semaines, lancé jour du FC Barcelone sera sous contrat jusqu'en 2027 avec le Paris Saint-Germain au 1er juillet, selon l'équipe, qui explique qu'une option d'un an supplémentaire s'activera à cette date. En fin de saison dernière, Neymar avait clamé son intention de rester dans la capitale française au terme d'une nouvelle saison décevante, mais achevée sur une note plutôt positive depuis. Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a fait des interviews laissant le doute planer sur l'avenir de la star brésilienne. La formation londonienne aurait une surface financière suffisante pour s'attacher les services de l'attaquant. Et Neymar disposerait de soutien de poids dans cette optique, à commencer par Thiago Silva, son ami de toujours. L'ancien capitaine du PSG n'est pas allé par quatre chemins en faisant publiquement un appel du pied à Neymar outre Thiago Silva. Neymar retrouverait également Thomas Tuchel dans la capitale anglaise. Les deux hommes s'estiment après leur aventure commune en France où le Brésilien avait exprimé tout son talent sous la tutelle de l'Allemand. Reste à savoir maintenant si les Blues feront une première offre officielle pour décrocher la star brésilienne qui n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Selon vous, chers amis, Neymar doit-il rejoindre les Blues de Chelsea?